crois que je viens de perdre les os? Faudrait peut-être y aller. Tu crois ou t'es sûre cette fois-ci? Je crois. Pardon. Ça va? Oui. Ça va? Oui. Ça va. Le petit chien. Voilà, c'est bien. Allez, faut plus traîner maintenant. Bon, madame Gates, je vais vous demander de bien arrondir le dos. Voilà. Je vais aller à côté de minuit, mon amour. Hein. Vous serez plus tranquille. Oui. C'est bien comme ça, c'est bien. Ah, monsieur Gates. Alors, il s'est enfin décidé à venir, cet enfant. Oui, on dirait. Venez, c'est tout ce que j'ai trouvé, ça devrait aller. Merci. Trop nerveux, futur père? Non, c'est juste que tout à l'heure, à la maison, dans la précipitation, j'ai oublié de mettre mon pantalon. Alors, je sais que c'est idiot, mais je m'en suis aperçu en arrivant ici. Ah, mais une naissance, c'est une révolution, monsieur Gates. Ouais. Vous assistez? Deuxième journée des entretiens franco-britanniques, M. Pompidou et M. Huys se sont retrouvés aujourd'hui à Checkers, la résidence du particulier. Parallèlement, le nouveau groupe de résidence est exploité sur la construction du tunnel sous la Manche. Nous avons encore l'avenir de la voilà. C'est bien. Je rapporte à Paris une. Tellement mignon. Si tu veux, tu pourras rester à la maison toute ta vie. Oui. Ouest du lac de l'Est, il y a une grande rue. Grande dans le sens de. Faites attention au spécificatif. Qui se souvient de ça? On l'a vu il y a quelques semaines. Allez, faites un petit effort. Yu Yi Chao. Hein? Yu Yi Chao. Yu Yi Chao. Oui, Ming. Yu Yi Chao. Spécificatif des choses longues et sinueuses. Qu'on retrouve dans différentes expressions comme Tiao Yu, un poisson, Tiao Lu, un chemin, etc. Des deux côtés de cette rue, donc, il y a beaucoup de maisons. Et enfin, dernière phrase. Écoute, c'est toi qui comptes avant tout. Alors, merci, ne te fais pas de soucis, repose-toi, change-toi les idées, je me débrouille. Allez, je t'embrasse. J'aurais voulu les formulaires pour les deuxièmes années. Dis-moi, tu peux me prendre les deuxièmes années pour quelques semaines? Oh non, Noël. Je veux bien donner des cours de temps en temps pour arrondir mes fins de mois, mais j'ai déjà pas le temps de travailler comme je voudrais à ma thèse. Alors, tes deuxièmes années. Écoute, sois pas chien. La femme dont on vient de quitter est au bord de se pendre. Sylvie est en congé de maladie. L'autre a je sais pas quoi encore. Je suis dans une merde noire. Tanguy, je t'arrange un voyage d'études où tu veux, quand tu veux. Mais en échange, je t'en supplie, dépanne-moi sur ce coup. Ben, j'aurais bien de la documentation à aller chercher à Pékin. D'accord, ça marche. D'accord. Tu n'auras pas à faire une ingrate. Bonjour Tanguy, c'est Mireille Delimoux du cabinet du ministre. Je vous appelle concernant le projet de réforme de l'ANSOU sur lequel monsieur le ministre aimerait avoir votre avis le plus rapidement possible. Merci de nous rappeler. Au revoir.
Ah, tiens, le voilà. C'est lui. Ça va, je vous ai pas trop fait attendre. Non, non, on vient juste de descendre. Alors, Ingrid, Tanguy, mon quasi-frère de lait, et... Miko Isayoko. Ah. Miko Isayoko. Mais alors, tu peux aussi l'appeler Vieille Truie. Salut, Vieille Truie. Ça va? Ça va, elle comprend rien. J'ai travaillé pour son père à Tokyo. Elle fait un stage à l'ambassade du Japon. Il m'a appelé pour que j'en sorte un peu. Ah, super. As-tu même acheté? Ah, très intéressant, visitez Martin. Ouais. On est super à la bourre, vous voyez pas où. C'est ça que notre téléphone, je crois. Ouais, je crois. Abado no Hikojo Oderuto. Hikojo. Hikojo. Oderuto. Oderuto. Shike no komota namanurui kaze ga. Shike no komota namanurui kaze ga. Shike no komota namanurui kaze ga. Fuite ita. Bonjour, mon chéri. Ah, bonjour, maman. La motard est venue te déposer ça hier soir. Merci. Mademoiselle. Bonjour, pas. Bonjour, mon fils. Mademoiselle. Et je vous présente Kimiko. Enchanté. Salut. Beaucoup no ryoshin d'ailleurs. Elle me demande qui vous êtes. Ça, c'est sa maman et moi, je suis son papa. Un grand garçon. Elle est surprise de voir qu'on habite ensemble. Marguerite va bien. On est en période de réflexion. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a peur de vous avoir dérangé. Non, elle a entendu. On a l'habitude. Horane, tenzen mandai nai taro. Elle veut un jus d'orange? Orange juice, iru? Non. Il peut plus se passer de toi. Non, il me demande juste mon avis. Tchétché. Elle n'est pas chinoise, elle est japonaise. C'est pour entendre dire ton vocabulaire. Oh. Arigato te itadake dayo. Vous voulez des œufs? Non, merci, t'es gentille. On va y aller. Je te laisse tout ça comme ça, ça te dérange pas? Ça, Iko ka? Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Et je t'aime, papa. Moi aussi, mon poulet. Promis? Promis. Promis. Au fait, Tanguy, où sont mes clés de voiture? Sur la console. Aïe, aïe. Tandakuni, kangeru no wa machigateru yo. Tu m'aimes pas? Mais si, je t'aime. Mais écoute, on a dit qu'on se donnait 6 mois pour réfléchir. On est déjà à 5, tu dois bien voir une idée. Mais justement, quel est l'intérêt de s'installer maintenant ensemble alors que je pars à Pékin dans 6 mois? Si tu mettais moins de temps pour réfléchir aussi. Je sais, je donne ma démission. Et je viens m'installer directement avec toi à Pékin. Oui? Ça a l'air de te faire plaisir, c'est un bonheur. Pardon si je suis pas suffisamment démonstratif. Mais tu me connais, c'est mon tempérament. Je te jure que je me réjouis à l'idée que tu viennes me rejoindre. C'est vrai? Ça te fait plaisir? Je
Bien sûr. Bonjour Stéphane. Bonjour Madame Huguette. Dis donc, c'est une mine d'or ton antiquaire. Ah, je vous l'avais dit. Irène est là? Oui. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Qu'est-ce qui vous arrive, Irène? Bah dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est Marc. Il a eu un accident. Hier soir, il vous a annoncé que... Que quoi? Qu'il arrêtait l'école hôtelière. Parce qu'il s'est engagé comme aide cuistot dans la marine marchande. Il part dimanche. Il est tout jeune. 17 ans. Oh, c'est cruel, les enfants. On leur demande rien. On leur donne tout notre amour. Et puis voilà. Il m'a tellement manqué. Oh, c'est la vie. C'est le lot de toute mère de voir son enfant partir un jour. Oui, mais pas si jeune. Mais c'est pas parce que Marc veut voler de ses propres ailes qu'il va vous oublier. Tenez, une fois, Tanguy m'a dit un très beau proverbe chinois. Un jour, on l'appelle maman. Et elle le reste toute sa vie. Allez, courage. Merci. Merci. Madame Guette, ça arrive. Dis donc, depuis tant que je suis à ton conseil de surveillance, ça me rapporte quoi? Rien. J'ai lu que trois chercheurs avaient inventé un nouveau procédé pour dessaler l'eau de mer. Oui, par plaque. Ça ne risque pas de te faire concurrence? Non, j'y crois pas beaucoup. C'est comme l'osmose inverse, c'est rentable uniquement pour les fabricants de membranes. Et le Pékinois, toujours dans les tongs, prêt à partir? Arrête de l'appeler Pékinois. Mais quoi, c'est affectueux. Et puis il part bien à Pékin. Oui. En juin. Oui. Alors je peux bien l'appeler le Pékinois. Si tu veux. Ah, je ne me souviens jamais. Il a 26 ou 27 ans. Oh, ça doit être là, je perds un peu la tête. Je n'arrive jamais à m'en souvenir. 28. Déjà. C'est délicieux. C'est très bon. Tu devrais essayer. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu trouves normal qu'il n'ait toujours pas quitté le nid? C'est vrai que tu perds la tête, tu radotes. Et oui, je radote par la force des choses. Les années passent. Il est toujours chez vous. Il fait ses études. Maintenant, c'est plus les 30 glorieux. Si t'as pas minimum bac plus 10, tu vas direct à l'NPE. Mais c'est pas vrai. Tous les indicateurs sont au beau fixe. Quand il a passé son bac, il y avait 3 millions de chômeurs. Oh, Sciences Po, normal supérieur. Une agrégue de philo, du japonais, une maîtrise de chinois. Alors si lui est au chômage, l'ensemble de l'humanité le sort. Il présente sa thèse en juin et il prend son poste à Pékin en septembre. Mais ta vie, c'est pas encore gagné. Bon, t'as choisi. Un gosse qui est né avec 13 jours de retard, il aura toujours du mal à partir. Tu refuses de te rendre à l'évidence, mais c'est un signe qui ne trompe pas. C'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Maman, j'ai fait Polytechnique. Sans compter. Oui, je sais, le confort, les avantages, tu m'as déjà tout dit. Et vous avez brisé le tabou absolu, il ramène des créatures. Ils sont tous comme ça maintenant. Quand il a découvert les joies de la chose, je préfère avoir un œil sur ses fréquentations. Alors tu pourras te le rincer un bon moment, parce que mais t'as vu qu'il n'est pas encore parti. Bon, t'as choisi. Le Pékinois. T'as choisi ou non? Non. Quand vous parlez d'émergence du concept de subjectivité en Chine ancienne, on pourrait penser que vous occidentalisez malgré vous la pensée chinoise, en donnant un sens qui induit l'idée de représentation du réel. On pourrait alors plutôt parler de réalité intérieure d'un sujet qui se découvre sujet au sens métaphysique du terme, sujet capable d'agir, de penser, de rire. Ah, beaucoup plus juste, Tanguy, c'est bien. Monsieur ? Non, désolé, il est beaucoup trop tard maintenant, une autre fois. Je me disais, mais pourquoi c'est pas à moi que ça arrive ? Je pouvais plus m'arrêter de pleurer.
mais je ne peux plus le supporter. Madame Goetz, je vous l'ai déjà dit, il n'est pas anormal que vous montriez une certaine impatience à voir votre fils de 28 ans acquérir son autonomie. Mais il rentre dans la pièce, j'ai l'estomac qui se noue. Il me dit bonjour, j'ai envie de le gifler, vous trouvez ça normal? Mais oui, cette impatience se traduit par cette agressivité que vous défoulez ici. Je n'ai rien de monstrueux. Ouf. Mais... 35. Hein? Hey, deuxième ace, 45. Non, ça fait pas. Bon. Allez, vas-y, ton miss. Et je. Merde, mais c'est pas possible. Mais il y a pas vu qu'il y a eu un coup de vent. Il est match. Adrien. Adrien, arrête, laisse ton frère. Mais va jouer là-bas, toi. Tu devrais les laisser vivre un peu, ça leur ferait du bien. Et à toi aussi. Et à nous aussi. Oh, râle pas, Philippe, t'as fait un super match. C'était qu'un jeu. Oh, les flingues. Ah, oh, il m'en remonte. Alors 6-3, 6-2. Bon, toi, ne fais pas le malin, hein. C'est ton père qui fait tout le boulot, avec ses services. Ouais, bah voyons. Dis donc, t'as pas grossi, toi. Pourtant, il mange comme 4. Hein. Dans la tête. Allez, je vous abandonne. Tu veux pas rester prendre un peu l'heure, t'es blanc comme une endive. Non, j'ai pas le temps. Faut que je passe au ministère. Un samedi. Attention, Tanguy, hein, pour ton boulot de prof, ta bourse de tes arts et tes conseillers au ministre, tu vas finir par gagner ta vie. Tu frises autonomie. Tu donnes des conseils au ministre? Oui. Comment passer directement de la fac à la retraite? Bon, allez, à plus tard, tout le monde. Tu dînes à la maison? Je sais pas, je verrai. À plus tard. Tout ce que vous prenez? Oh non, je vais vous rajouter. Fais le malin. Tu verras le vide que ça lui fera quand il partira. Ça fait très longtemps que je m'y prépare. Arrête, j'aime pas quand tu parles comme ça. Je plaisante. C'est pas drôle, derrière une plaisanterie, il y a toujours quelque chose de sérieux. Là, il y a un petit fond de vrai. Dès qu'on touche à son petit coco, ça rigole plus. Mais tu as fini de l'emmerder, la pauvre. Je t'en parle déjà. Oui. Monsieur, vous avez dîné? Ah bah non. Non, allez vite vous chercher des assiettes dans la cuisine. Il y a tout ce qu'il faut. Allez. 30 minutes. Non, je trouve qu'elles font pas Louis XIV. Vous savez, Louis XIV, il a quand même régné 54 ans. Alors, vous vous doutez bien que sur une durée pareille, des poignées de porte, il y en a eu plus d'un modèle. Oui, mais vous savez, quand on dit Louis XIV, j'imagine... je sais pas, moi... Versailles. Elles en viennent, changées sous Louis XVI. C'est Erdogan Mansart lui-même qui les a dessinées. Eh ben, je les voudrais plus... je sais pas, moi... comment dire... je sais pas... Elles sont comment, celles de la Galerie des Glaces? Je ne les ai plus en tête, mais... je vais y faire un saut, pas de problème. Ah, vous êtes un ange. Ah, dites-moi, pour les chambres des enfants, vous avez prévu quoi? La paille. Hein? Non, je plaisante. Monsieur Delerme? Oui. Je peux vous parler? J'aurais besoin de vos lumières. Ah, ça me plaît. Je vous écoute. Je peux vous aider. Sur l'autorisation du clonage thérapeutique, c'est-à-dire la manipulation des le clonage. Pour soigner des maladies particulières. Alors, c'est une méthode qui a été inspirée par la naissance de la brebis de Lyon en 97. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, papa. En autorisant Bonsoir. La démarche du clonage thérapeutique. Dis donc, c'est toi qui as embarqué les deux bouteilles de Gruau la Rose? Je sais pas. Ah oui, peut-être. Quand j'ai été chez Lucas, j'ai pas fait attention à ce que je prenais. C'est parce que je te reproche. Te dînes ici. Alors comment voir clair entre ces deux approches qui révèlent une philosophie très importante? Quels sont les enjeux scientifiques? Quels sont les enjeux économiques aussi? On en parle aujourd'hui avec Alain Clès, vous êtes député socialiste de la Vienne et vous êtes un des rapporteurs. Papa, maman, il faut que je vous parle. Sur la révision de loi, des lois sur la bioéthique, ces lois de 1994. Pierre Joliot, bon, on s'est toujours tout dit. Au Collège de France, toujours. Titulaire de la chaire de bioénergétique cellulaire. Voilà. Et vous venez de publier un ouvrage. Vous me direz franchement ce que vous en pensez. Bon, vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. Juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain.
Et malheureusement, on a mal évalué le travail. Plus on avance, plus on découvre l'ampleur de la tâche. J'ai bien peur qu'on soit jamais prêt à temps. Alors j'en ai discuté avec mon directeur de thèse, qui m'a dit que j'ai tout intérêt à la reporter, sinon on va droit dans le mur. Mais tu risques pas de perdre ton poste à Pékin ? Mais oui, ton poste à Pékin. Je les ai déjà contactés, ils me gardent la place. Comme le dit Monsieur Delerme, une petite impatience peut conduire à de grandes imprudences. C'est vrai que je suis plus un an prêt. Risquer de tout gâcher maintenant alors que je suis dans la dernière ligne droite, ça serait vraiment trop bête. Mais vous, franchement, papa, maman, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Grosso modo, ça veut dire que ça repousse ta thèse d'un an et demi. Et qu'on va t'avoir encore à la maison pendant tout ce temps. À moins que vous me supportiez plus. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas chercher? Alors on peut pas discuter, c'est tout de suite les grands mots. Je plaisante, maman. Non, mais c'est pas drôle. Excuse-moi. 28 ou 30 ans, bon, maintenant, je m'en fous. Vous, c'était bien resté jusqu'à 35 ans chez ses parents, alors. Ouais, c'est avec ta mère. Si ton père est d'accord, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Chérie. Edith ? Tu vas bien ? Rien. Excuse-moi, je rêve assez. Allez les filles, là, on commence par 6 points, une longueur sur 2 en apnée. Allez, on y va ! Allez Je me marre. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je constate simplement qu'une fois de plus, j'avais raison. Vous l'aviez encore pour des années. Pas des années, une année. Comme tous les ans. On va pas lui demander de renoncer à sa thèse simplement pour avoir la joie de te contredire. Tu veux que je te dise ce qu'il va faire dans 18 mois? Il va faire ce qu'il a toujours fait. Quand il aura usé ses chinoiseries jusqu'à la corde, il va s'enticher d'une nouvelle discipline. Vous l'avez jusqu'en 2020, au bas mot. Bonsoir, Edith. Bonsoir, Paul. Madame. Philippe Gildas, ma mère. On a déjà eu l'occasion de s'apercevoir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? 3 fois rien, je me suis bêtement cognée. Tanguy va bien? Égal à lui-même, inamovible. Vous me pardonnez? On m'attend. Bonne soirée. Il change pas, lui. Et toi, ne change pas de sujet. Il partira dès qu'il aura fini sa thèse. Tu veux que je te dise ce que tu aurais déjà dû faire depuis longtemps, c'est lui payer un studio. Alors ça, jamais. Mon fils sera pas un gosse de riche qui a son appartement payé par ses parents. Mais pour quelqu'un qui veut le responsabiliser, c'est la meilleure façon d'en faire définitivement un assisté. Alors, vous l'avez jusqu'à la nuit des temps. Bon, maman, si on se dispute à cause de Tanguy à chaque fois qu'on se voit, c'est très simple, on se verra plus. On va la santé du Pékinois. Quant à vous, Edith, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais je vous trouve d'une indulgence coupable. Tu viens? Je craque, Paul. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis renseignée sur Proust. Il n'est pas parti à 35 ans. C'est parce que ses parents sont morts qu'il est parti. Sinon, il y serait encore. Pourquoi tu me dis ça? Je tiendrai pas le coup, Paul. J'arriverai pas à supporter Tanguy 18 mois de plus à la maison. 18 longs mois, 2 grossesses. Oh, c'est au-dessus de mes forces. Répète-moi ça. Je sais, je suis une mauvaise mère. Mais je peux plus supporter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu te rends compte que ça fait 28 ans qu'il est là? Fiche de moi, quoi. J'en ai parlé 200 fois, c'est comme si je pissais dans un violon. Et s'il est encore à la maison, comme tu dis, c'est parce que c'est ce que tu voulais. Je sais, c'est de ma faute.
C'est vrai, à une époque, j'avais qu'une trouille, c'est qu'ils partent. Et maintenant, c'est qu'ils restent, pour toujours. Mais tu te rends compte dans quelle situation on est maintenant? Non, mais c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Faut qu'il soit encore dans nos pattes à son âge, à la maison comme à l'hôtel, à balancer ses affaires comme un chien fous sa crotte, jamais rien ranger, débarquer à l'improviste avec n'importe qui à n'importe quelle heure, et ses filles qui ramènent sans cesse, et puis qui fréquentent nos amis, je peux plus. Ses bonnes manières, son sourire, sa culture, sa façon mielleuse qu'il a de s'exprimer, et sa thèse, sa putain de thèse. Je peux plus le voir en peinture. Effectivement, c'est l'overdose. Faut qu'il parte, Paul. Quand il sera parti, ce sera à nouveau ce que j'ai de plus cher au monde. La chair de ma chair, mon tout petit. Mais en attendant, faut qu'il parte, faut qu'il parte. Je vais tomber malade. Ah, oh! Ta mère a peut-être raison. Pourrait lui payer un appartement. Non. Moi vivant, jamais. Je te l'ai déjà dit, son indépendance, il la gagnera tout seul. Mais tu vois bien que ça ne l'effleure même pas. Non, hors de question. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Il y aurait bien une solution. Quoi? Faudrait le dégoûter. Dégoûter? Il est bien à la maison. S'il est plus bien, il partira de lui-même. Gâcher l'existence. Mais c'est plutôt toi qu'elle chic pour me faire tourner en bourrique. Je préviens l'institut que je vais démissionner en juin. Je commence à démarcher pour trouver un poste à Pékin et j'apprends que tu pars plus. Mais si, je pars. C'est simplement retardé. Donc toi, tu restes ici. Et moi, pendant un an, je t'attends là-bas. Pas forcément. Tu peux aussi bien rester ici. Ce qui nous permettrait de réenvisager notre installation ensemble. Pour septembre, par exemple. T'es sérieux? T'es chiant. Tiens, salut, pas. Bonsoir, mon grand. Dis donc, maman, t'as pas vu ma chemise rayée, orange et... Non. Poubelle. Madame Guette, je suis à vous. Merci. Qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui? Quelles sont belles vos coquilles. Eh oui, c'est la pleine saison. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh, ça sent fort. Je peux prendre ta voiture, papa? Non, pas ce soir. On voudrait peut-être sortir après le dîner, ta mère et moi. Je peux prendre la tienne, maman? Non, elle est en révision. Encore? Eh oui, encore. C'est pas grave. Bonne soirée. Bonsoir, maman. Tu vois, c'est pas difficile.
ma salle de bain pendant que Tanguy se douche? Non, 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 je veux pas vous déranger. Soyez pas timide, ça me fait plaisir. Nathalie. Oui. Je peux vous appeler Nathalie? Oui, bien sûr. Vous plaisez beaucoup à ma femme, Nathalie. C'est gentil. Et je peux vous dire que c'est pas tous les jours. Ouais, Tanguy a vraiment bien choisi cette fois-ci. Pardon? Non, ne me dites pas que vous êtes pas au courant. Quoi? Vous faites marcher, là. Tanguy vous a pas expliqué? Suivez-moi, Nathalie, je vais vous rentrer ma salle de bain. Ça va pas bien, vous, hein? Faut aller vous faire soigner, vous êtes complètement taré! Tiens, l'autre jour, j'étais à la pendaison de crémaillère d'un ami. Je connais ses parents, sont des gens charmants. Et quand je l'ai vu dans son clapier, tout fier de pouvoir enfin payer le loyer, l'électricité, le téléphone, excité à l'idée de descendre deux fois par semaine au lavomatique, heureux d'aller à la supérette du coin pour acheter ses surgelés, qui se mangera tout seul, les genoux collés dans sa télé, mais j'étais désolé pour lui. Ça, c'est bien des arguments de gosse de riche. Oh, mes propos n'ont rien de cynique. Je sais que je suis un privilégié. Je te jure que ce ne sont pas ces avantages matériels qui dictent ma conduite. Mais alors, c'est quoi? Autrefois, on ne rêvait que d'une chose, c'est quitter coûte que coûte ses parents. Hey, les miens sont intelligents, ouverts, généreux, m'ont laissé toute latitude pour faire ce que j'aime. Mais pourquoi voudrais-tu que je renonce à ce bonheur de tous les instants? Ah bah ouais. Oui, oui, j'arrive. J'arrive. Ah, la vache! Je sais pas ce que Philomène en ce moment, mais... Regarde, elle escame toutes les affaires. Ah oui? Ah bah, y a plus de velouté? C'est de ma faute, j'ai complètement oublié de demander à Philomène d'en racheter. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fumé ou quoi? Non, non. Bon, bah, je vais y aller. Ah, c'est ça, vas-y. Et rentre pas trop tôt, surtout. Je t'aime, maman. Moi aussi. Et je t'aime, papa. Oui, oui, moi aussi. Promis? Promis. Au fait, Tanguy, il va falloir que tu remettes ton bureau dans ta chambre, j'ai besoin de la pièce. Ah bon? Je vais me remettre à la sculpture. Bon, qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Mais rien! Allez, file! Alors là, le coup de la sculpture t'a été impérial. Ça m'est venu comme ça, d'un coup. Disque de diamètre 115 grains 120 pour ponceuse excentrique. On l'a passé en personne ou scratch? Scratch. Et deux forêts en titane 5 et 6. Ça, c'est au fond du magasin, à droite après la menuiserie. Bonne journée. Excusez-moi. Oui, bonjour madame. Vous savez où je peux trouver de l'acide chlorhydrique? Oui, vous allez prendre tout droit et deuxième allée sur votre gauche. Merci. Trop de bruit? Non, rien de grave. Non, c'est juste le disjoncteur qui a sauté. J'ai pas effacé ton travail, j'espère. Probablement quelques pages, mais ça a aucune importance. L'essentiel, c'était rien. Au fait, t'es pas trop à l'étroit. Qui se contente de peu, a toutes les qualités voulues.
Oh là là, comment vous avez fait? Ça, c'est mon petit secret. Tanguy, t'aurais pu me dire que t'allais casser un phare. Moi? Oui, toi. Mais j'ai jamais cassé de phare. Non, écoute, arrête de mentir, c'est pas comme ça qu'on t'a élevé, ton père et moi. Je te garantis que c'est pas moi. Tanguy, je te prête la voiture hier soir, ce matin je descends au parking, le phare est cassé, alors arrête. Je te garantis que c'est pas moi. Oh. Ben, si c'est moi, alors écoute, je te demande pardon parce que je m'en étais pas aperçu. Je vais te rembourser. Non, mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de respecter les affaires d'autrui. Au moment, on va pas se disputer pour une histoire de phare. Laisse-moi te rembourser et à l'avenir, je ne me servirai plus de ta voiture ni de celle de papa. Ça nous évitera ce genre de petits désagréments. D'accord? D'accord. 527 francs. On se fout de nous! Ou alors les idiots. Oh pardon, excusez-moi. Oh. Détends-toi. Oh. Ça lui glisse dessus comme sur les ailes d'un canard, s'il croit que c'est ça qui va nous décourager. Permets-moi de te dire qu'il se met le doigt dans l'œil, bien profond. Bonjour madame Aguette, comment ça va? Bien, merci. Monsieur. Bonjour. Ça vous a plu l'autre jour? Beaucoup. Je crois que je vais en reprendre d'ailleurs. Je vous dis tout de suite. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'arrive pas à dormir. Hein? Encore? Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? T'as des soucis? Non, je sais pas, j'arrive pas à dormir. Pourquoi tu prends pas des somnifères? Ça me réussit pas. Mais, tu veux que je te raconte une histoire? T'es gentil, j'ai pas ce âge. Ouais. Tu veux que je te fasse un petit pétard? Léger? Un bouquin? Pas envie de lire. Te dérange, là, tu voudrais dormir. Non, papa, ça n'a aucune importance. Tu te lèves tôt? 6 heures. Ah, je vais te laisser, là. Bonne nuit. Bonne nuit, pas. C'est dingue, cette odeur. Je comprends pas. Je demande régulièrement à Philomène de shampouiner la moquette, de lessiver les murs, ça revient tout le temps. T'aurais pas de l'aspirine? Je vais voir. Alors, qui veut se lancer? Vas-y. On t'écoute? Dis-moi, pourquoi t'as pas levé le doigt? Celui qui, au-dedans, est sans leurre ni erreur, et au-dehors, ne connaît ni calamité ni fléau, celui dont l'esprit demeure intact au centre et le corps intact à l'extérieur, celui à qui ne surviennent pas les calamités du ciel et qui ne rencontre pas l'hostilité des hommes, on l'appelle le sage. C'est bien. Je vous remercie. Mais non, bingo. Au fait, je suis en quelle salle mercredi? P104. Tiens, ton ordre de mission était billet pour Pékin. Ça, c'est très gentil, merci. Je t'avais dit que t'aurais pas affaire à une ingrate. Toi non plus, t'aurais pas affaire à un ingrat.
Enchantée, Noël Sapin. Vous êtes la maman de Tanguy. Oui. Je travaille à Dauphine. Ah. Mmh. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Ah ben ça va, je vois que vous avez fait connaissance. Noël, tu prends du thé ou du café? Le dos. Cette fois-ci, je sortais Tanguy de son berceau. Je le tenais par un pied, il était tête en bas. Je descendais des escaliers en béton dont les arêtes étaient très tranchantes. Sa tête battait violemment contre chaque marche. J'ouvrais la porte d'une maison. Dehors, il y avait beaucoup de vent et de la grêle. Je crois qu'il y avait des loups aussi. Je le faisais tourner au-dessus de ma tête et je le lançais loin, loin, loin. Je refermais vite la porte, je remontais me coucher et arrivais dans ma chambre. Je voyais Tanguy qui revenait dans les airs, qui tournoyait comme un boomerang. Et comme d'habitude, il me revenait dans les bras. Toujours aussi souriant. C'est la fonction première du rêve que de soulager l'individu. J'ai un patient dont la fille de 32 ans vit encore chez lui. Et croyez-moi, elle est loin d'être aussi brillante que votre fils. Toutes les nuits, il rêve qu'il la hache, la dépaisse, la brûle. Ce n'est pas un monstre pour autant. On s'amuse. Excusez-moi, je peux vous prendre une chaise? Vous voyez pas qu'elles sont prises? Allez, marrant qu'il y en a plein là-bas, qu'elle allait servir. Fait chier aussi de toujours rendre service. Pourquoi tu viens plus au Monopalme? Ça te détendrait? T'as l'air complètement à cran en ce moment. C'est l'autre folle de l'avenue Montaigne avec ses putains de poignées Louis XIV. Elle me tue. Non, je crois un. C'est normal, les balles sont complètement pourries. Je n'avais pas d'autres. Balle neuve. Eh, vous donnez vraiment des bâtons pour vous faire battre, hein. Eh, des boulets de canon, hein, papa. Des boulets de canon, hein, papa. La vérité, tu l'as fait exprès ou non? Bon. Ça va pas, toi? Voilà. Bon, c'est un bon déplacement des cervicales, tenez. Avec 3 semaines de minerve, il n'y paraîtra plus bien. En tout cas, vous devez avoir un sacré service, hein, parce qu'on a frôlé la tétraplégie, là. Oui, hum. Merci. Vous êtes classé? J'étais. Je suis désolé, maman. Tu ne l'as pas fait exprès, papa. C'est pas de ta faute. Comme ça me fait plaisir de t'entendre. Je croyais que vous étiez fâchée avec Tanguy. Fâchée? C'est lui qui t'a dit ça? Non, pas du tout. Et comme Tanguy est souvent venu à la maison avec des copines, je me disais, enfin, bêtement, comme ça je me suis fait des idées, c'est tout, rassure-toi. Marguerite? Avec un peu de chance, il me le pardonnera jamais. Bah t'en fais une tête. Maman, je t'en prie, arrête de te ronger les sangs, tu n'y es pour rien. Bien sûr que si, c'est de ma faute. Mais non, c'était inéluctable. Je vais même te dire mieux, tu m'as rendu service. Hein? J'aime beaucoup Marguerite. Mais ça fait des mois qu'elle me tanne pour qu'on prenne un appartement ensemble, qu'on s'installe, qu'on ait des enfants. C'est pas vrai. Et comme j'avais de l'affection pour elle, je tergiversais, je restais flou. Plus j'essayais de l'aménager, plus je m'en ferrais. Je ne savais plus comment me sortir de cette situation. Je commençais même à me résigner, en me disant, c'est peut-être ça la vie. Mais bien sûr, c'est ça la vie.
Je pourrais peut-être la rappeler pour lui dire que je lui ai fait une bonne blague. Tu penses réellement que c'est l'idée que je me fais de la vie avec une femme que je suis censée aimer? Non, maman. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma dignité. Je perds pied, Paul. Écoute, il part pour la Chine, ça nous fera des vacances, on verra après. C'est gentil de m'accompagner, papa. Je t'en prie, mon grand. Tu rentres quand ? Le 8, dans une bonne semaine. Tiens, donne papa, je vais prendre ça. Non, t'inquiète pas, c'est pas lourd. S'arranger. Viens avec moi. Viens. Vite, dépêche-toi. Même avec la club de mine ? Désolé, tout est complet, monsieur. Non, mais tant pis, papa, c'est pas grave. Et en business ? Il me reste juste une place en first. Mais attends, papa, on va pas. C'est combien ? Elle est simple ou avec le retour ? Simple. 34 612 francs, taxe d'aéroport à Nice. Non, mais je t'assure, papa, je m'arrangerai autrement. Viens, rentrons à la maison. Donnez-moi la first. Je m'inquiète. Qu'est-ce que t'as fait ? Pas total. Son avion a été annulé. Il a fallu changer de compagnie. Ça m'a coûté une fortune. À cause d'une grève sauvage, il y a eu 2 heures de retard. Mais comme je voulais être sûr qu'il parte, j'ai attendu avec lui. Oh, mais il est parti. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in my daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun. Fall on my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. And even if time has passed me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. I'll find a face for being a sleepy bulldog. Tu veux pas le reconnaître? Oui, mais tout ça, c'est plutôt sympathique. Il arrive en short, tout ça, c'est déjà. Non, c'est pas vrai. Non, mais. Je ne me suis jamais. Bicyclette, bicyclette, dentelle. En short, hein? Bicyclette. Et en bicyclette. Je ne sais pas s'il invente mal. C'est tout. Ah. Reconnais-le, Patrick. Non. Il a dit je ne vais pas passer ma thèse cette année. Franchement, papa, maman, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va freiner un peu, non? Quand c'est bon, ça peut pas nuire. Au retour du petit génie. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire, au juste? Je n'ai pas très bien compris, de toute façon, avec lui. On ne comprend jamais rien. Chercher les bouquins pour sa thèse à la con, je crois. T'as fini de dire des âneries. Non, mais c'est vrai. Ils sont peut-être 10 dans le monde à savoir de quoi il s'agit. Non, mais franchement, hein, qu'est-ce qu'on s'en fait de l'émergence du concept de... Je sais pas quoi. Subjectivité en Chine ancienne. Non, mais on s'en fout quand même, hein. Les parents boivent, les enfants trinquent. Ah, une vino veritas, veritas.
Le brouillard se dissipe rapidement, il laisse place à un temps agréable, ensoleillé. Quelques ondées sont possibles en fin d'après-midi sur les Alpes. Enfin, des nuages accompagnés parfois de pluies faibles gagnent la Bretagne en fin de journée. La tramontane souffle modérément aujourd'hui. Les températures minimales varient de 5 à 10 degrés dans l'ouest du pays, de 10 à 15 degrés dans l'est. Elles sont proches des 20 degrés sur le pourtour méditerranéen. Oh, enfin, les températures maximales s'affichent à la hausse. À c'était passé, ça recommence. 20 à 26 degrés. Il aurait peut-être voir un gastro-entérologue. Je connais le diagnostic, c'est ton fils que j'ai sur l'estomac. À Pékin, un avion de la compagnie China Airways s'est écrasé quelques minutes seulement après le décollage, avec à son bord 350 passagers, dont 2 Français. Les enquêteurs n'ont pas encore retrouvé le point noir qui pourrait expliquer. Oh mon dieu, je l'ai pensé. Tu parles. Tu sais très bien de quoi je parle, tu l'as pensé aussi. Alors pas moi. Tu vois que tu sais, menteur en plus. Oh mon petit, mon tout petit. Calme-toi, calme-toi. Mais décroche. Allô? Je suis dans le Pékin, moi c'est pas aujourd'hui qu'il devait rentrer. Ma mère! Oh mon petit, mon tout petit, mais je me le pardonnerai jamais. Oh, je me le pardonnerai jamais. Mais secoue-toi! Fais quelque chose! Arrête de me gueuler dessus! Je crois que le moment est bien choisi pour être susceptible. Ton fils est mort! Et tout ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait plaisir. Oh mon bébé! Oh mon petit bébé, mon petit bébé! Maman! Oh mon petit beau, mon petit beau! Moi aussi, je suis content! Oh, il est là! Il est là! Oh, c'est splendide, regarde ça! Oh! Non! Attends! Oh, c'est trop gentil, mon chéri! Bon, du plaisant, on mange rien! Non, non, non! Ne mange pas les yaourts, je crois qu'ils sont périmés! Aucune importance! On peut les consommer encore un mois après la date de péremption. Qu'est-ce que c'est? Cao Liang, le sauveur de Pékin. Sous la dynastie Ming, le général Liu Bowen faisait construire de hautes murailles autour de Pékin. Lorsqu'un beau jour, toutes les sources de la ville se tarirent. C'est qu'autrefois, vivaient à cet endroit le roi des dragons et son épouse. Et c'était eux qui avaient tari les sources pour se venger. L'idée d'aller combattre un couple de dragons terrorisait tous les soldats, sauf un, Cao Liang, qui se porta volontaire. Le général lui expliqua sa mission, filait vers le nord-est et trouvait un couple de vieillards qui n'étaient autres que les dragons déguisés. Sa mission consistait à transpercer de sa lance 2 grosses cuves pleines d'eau que les vieillards tiraient sur leur charrette. Bien évidemment, ça allait rendre furieux les dragons. Sa mission accomplie, il fallait qu'il chevauche à bride abattue en direction de Pékin et surtout, surtout, il ne se retourne pas avant d'avoir compté 100 pas. Je vous ennuie, là, non? Non, mais c'est passionnant, au contraire. Bon. Alors, il fit sceller son meilleur cheval, prit sa meilleure lance et partit dans la campagne à la recherche des dragons déguisés en vieillards. Lorsqu'il les trouva, il fit ce que le général lui avait dit. Et d'un coup puissant, il transperça les cuves. Ce fut alors comme si une armée grondante se lança à ses trousses. La peur au ventre, Cao Liang galopa, n'oubliant pas de compter les pas. Mais malheureusement, pris par l'action, il se trompa et se retourna au 99e au lieu du 100e. Et il fut englouti par les eaux qu'il poursuivait. Mais toutes les sources de la ville rejaillirent. Et grâce à lui, les habitants ne manquèrent plus jamais d'eau. Un peu comme toi, papa. Elle est très belle, cette histoire. Je vais me reposer un peu. Je te laisse tout ça comme ça, ça t'ennuie pas? Pas du tout. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Et je t'aime aussi, papa. Moi aussi, mon poulet. Promis? Promis. Promis. Thank you.
me trouve trop cool. Oui. Vous faites une petite place ? Oh, c'est un moment. Pas de doute, il est de retour. Écoutez, dites, j'ai bien réfléchi, on va pas se mettre la rate au courbouillon plus longtemps. Il n'y a pas d'autre solution. On va lui prendre un appart. Mais je croyais que toi vivant, je... Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais s'il veut pas... J'aimerais voir ça. Oh. Et tu seras peinard. Tu nous auras plus 24 heures sur 24 sur le dos. Mais dis quelque chose. Je demanderai à Philomène qu'elle passe régulièrement faire ton linge, le ménage, et puis tu viendras quand tu voudras, tous les jours, si t'en as envie. Ce sera toujours chez toi, ici. Tu te souviens de ce proverbe que tu m'as dit il y a très longtemps? Un jour, on l'appelle maman. Elle le reste toute sa vie. Je comprends. Mais tant qu'il n'y a rien à comprendre, c'est pas contre toi, c'est plutôt pour te rendre service. On ne veut que ton bonheur. Je le sais bien, papa. Ah. D'autant plus qu'à mon âge, toujours chez mes parents, je suis bien conscient qu'il y en a plus d'un qui jase derrière mon dos. Oh non. Si c'est le cas, alors vraiment, c'est le cadet de nos soucis. Mais sans compter que j'ai égoïstement négligé un aspect important de votre vie. Depuis le temps que vous m'avez, vous aspirez peut-être un peu plus d'intimité. Alors là, détrompe-toi. Ça ne vous a même pas traversé l'esprit. Oh, ça, c'est vraiment ce qu'on dit. D'accord. Je me marre. Marre-toi. Mais parfaitement. À la santé du Péquinois. Oh, dire qu'on se minait depuis des mois alors qu'il suffisait d'en parler pour que le malentendu se dissipe. Je demande à voir. Mais c'est tout vu, il fait des annonces du Figaro tous les matins. Ah, tu me rassures. On n'en est qu'aux annonces. Oh, c'est quoi ça? Allô? Oui, chérie. Il a trouvé. Oh. Des commentaires? Oh, c'était pas tant. Tu sais ce qu'il m'a dit quand je lui ai proposé de l'aider pour sa déco? Non, maman, c'est mon indépendance. Je veux m'en occuper tout seul. C'est plutôt bon signe, non? À gauche. Non, pardon, à droite. Alors, à gauche ou à droite? À droite, à droite. On approche 71 avenue de Choisy. Le canard. Allez, ça fait les c'est... Attends. Je me souviens qu'il m'avait parlé du fou de Chine. Ah, tu crois que c'est là? Ah oui, on fait le tour par le Palatino. Voilà, c'est là. Déjà, je vous attendais pas si tôt. Je m'en entre. Je vois pas. Entre. Vous avez trouvé facilement? Ouais. Oui. J'adore ce quartier, c'est des paysans. Hein? Très. Tiens, mets-la un peu au freezer pour qu'elle soit bien fraîche. D'accord. Alors, tu nous fais visiter? Ah bah oui. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, c'est la pièce principale. Ah, oh, c'est grand, dis donc. Ah oui, c'est raisonnable. Là, mon bureau et une grande bibliothèque, très pratique. En fait, ils appellent ça un pont. Ça permet d'intégrer le lit dedans. De larges ouvertures. Oh, maman, qu'est-ce que tu penses des rideaux? La gardienne les a terminés il y a à peine une heure. Et là, la kitchenette. Simple et fonctionnel. Je vais mettre ça au frais. Freezer, 2 étoiles. Mmh. Un grand placard. Et ici, la salle de bain et les toilettes. C'était pas tant. Et pas tant. Une
charnière de la table pliante avait un défaut, alors à ce prix-là, j'ai préféré la renvoyer. T'as bien fait. Il t'en livre une autre quand? Dans un mois, ils en avaient plus en stock. Ça passe vite à moi. T'as pas de bière non plus? Non, je suis désolé, j'ai pas encore tellement l'habitude de recevoir. Mais on pourrait peut-être ouvrir le champagne maintenant? Ah ben évidemment, suis-je bête? Champagne. Oh zut! Qu'est-ce qui se passe? Elle a explosé. C'est pas grave, mon chéri, on n'est pas là pour boire. Ni pour manger. Mais il n'y a pas un bouton pour que ça refroidisse moins? Non mais tu verras ça plus tard, viens manger, ça va être froid. Bon, vous voulez du sopalin? T'aurais pas au moins des biscottes? Ah non plus. Bon bah bon appétit. C'était... dégueulasse. Dégueulasse. Mais il a l'air content. Très. Non, t'as pas trouvé? Si, si, si. Les questions des cons se demandent de qui il tient. Quel bout de chiotte. On s'en fout. Allô? Oui, mon grand, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben, c'est très gentil. Ça va? T'es bien chez toi? Tant mieux. Bonne nuit à toi aussi. Je te la passe. Et encore merci pour la soirée. De rien, je t'embrasse. Il faut te dire bonsoir. Allô? Oui, mon chéri. Je voulais juste vous dire bonne nuit. Oh, c'est trop gentil. Voir si vous étiez bien rentré. Voilà. Bonne nuit. Ben, bonne nuit, maman. Je t'embrasse. Tu sais ce que disait Liz Taylor? Non. Que les plus beaux bijoux pour une femme, c'est les genoux derrière les oreilles. Très chic, Liz. Allô? Ouais, papa, c'est moi. Oui, Tanguy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? J'arrive pas à dormir. Tanguy, c'est normal, c'est le premier soir, t'es peut-être un peu nerveux, alors... Fais-toi un pétard, prends un livre et ça va aller. C'est ce que j'ai fait, mais ça marche pas. Regarde la télé. Elle marche mal. Écoute, je sais pas. J'ai une copine, travaille, sors, enfin, fais ce que tu faisais quand t'arrivais pas à dormir ici, c'est pareil. À la maison, j'arrivais à dormir. Maintenant, t'es dans ta maison, t'as 28 ans, t'es un grand garçon, tu arrives à dormir. Plus d'une demi-heure de marche. Je t'aime, papa. C'est ça, moi aussi. Allez, on sort. Bon, mais pour charrier. Excuse-moi, tu peux me passer, maman? Elle dort, maman. Et fais pareil, il est tard. Bonsoir. Avant la tempête.
d'angoisse. Oui, d'angoisse, doublée d'une crise de tétanie. Et comme t'avais décroché le téléphone cette nuit, je la prends maintenant. Ça y est, c'est de ma faute. Je t'avais dit de me le passer, j'aurais pu le calmer, moi. Bah voyons. Mais il est où, là? À l'hôpital, j'y vais, là. Tu me tiens au courant? C'est ça, oui. Eh ben... Hein? Oh, ça va. Oui. C'est pas trop mal, ouais. J'ai un peu essoufflé. Attention. Eh ben, quand même. La voiture est... Super. Du coup, il faut faire attention quand même. T'es sûr que ça va aller? Maman, ne te fais pas de soucis. Je suis désolé de cet épisode navre. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais ça va aller maintenant. J'ai repris le dessus. Tu travailles trop aussi. Tiens, t'es épuisé. Regarde-moi ça, la nuit que t'as. Je vais prendre soin de moi. Et excuse-moi encore auprès de papa. Mais tu plaisantes, mon chéri, c'est rien. Allez. Repose-toi bien. Hmm? T'oublies pas de prendre tes médicaments? Non, non. Bon. J'y vais. Merci, moi. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, surtout, t'hésite pas à m'appeler. Promis. Oh non, Tanguy, tout ce que tu veux, mais ça, non. Tu peux pas me demander une chose pareille. Maman. Non, non, non. Maman. Non, non. Ton père va très mal le prendre. Je suis pas fait pour vivre seul. Je sais pas me faire à manger, je sais pas faire le ménage, je comprends rien aux factures. Et puis ce petit ici... Je suis pas prêt psychologiquement. J'ai peur. Vous me manquez. Laissez-moi rentrer à la maison, sinon... J'ai raté ma thèse. J'ai tout raté. Je vais mourir, maman. Maman? Oui, oui, mon chien, je suis là une seconde. Il dit qu'il va mourir. Passe-le-moi. Viens, t'es nous chier des conneries! Ouais, c'est mieux. Ça va, ça circulait bien? Non. Mais où? Où tu vas? Chez toi. Ces meubles, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont tenus de les reprendre. Sans discuter, parce qu'il les a gardés moins de 8 jours. Alors, ce n'est pas en moins de 72 heures qu'il a eu le temps de les user. Mais ça va? Il récupère? On peut commander rapidement, s'il vous plaît. C'était pourtant pas bien loin. Tu conviendras avec moi. S'il n'a pas été fichu d'aller jusque dans le 13e arrondissement, Pékin, c'est pas pour demain. Tiens d'ailleurs, 13e arrondissement, 13 jours de retard, c'est amusant, non? Paul et moi, on est enfants uniques, on a eu un fils unique, ceci explique peut-être cela. On aurait peut-être dû l'envoyer plus souvent en colo, est-ce qu'il a été traumatisé quand il est tombé de la table allongée ou quand il s'est perdu sur la plage à l'âge de 3 ans? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? On a peut-être simplement voulu trop bien faire. Bien, nous interrompons là pour aujourd'hui. Quand est-ce que je vous revois? Cet après-midi? Papa, est-ce que tu peux passer les clés de ta voiture? Faut que je retourne à Carrefour. Pardon, bonjour. Excusez-moi. Merci. C'est générationnel. Générationnel. C'est ce qu'a dit le psy que j'ai vu, en tout cas. Ok. Ça a monté d'un coup à 23. Jacqueline, vous pouvez venir, s'il vous plaît. C'est une discipline toute militaire. Qu'est-ce que tu en sais? T'as pas fait l'armée? C'est toi qui m'as fait réformer. Tu estimais que c'était une perte de temps. Et tu rajoutes, je réponds plus à mes parents.
Tiens, je t'ai trouvé un boulot. T'as intérêt à le décrocher. Excusez-moi, vous pourriez commencer quand? À votre convenance. Dès demain? Ça me paraît parfait. J'espère qu'on va pouvoir faire de toi quelqu'un d'aussi brillant que Tanguy. T'es sûr que tu veux pas que je le fasse? Non, j'ai quasiment fini. Tu veux pas au moins que je passe l'aspirateur? Non, merci. La salle de bain? Je l'ai déjà faite. Par contre, il faudra penser à acheter du sif, il n'y en a quasiment plus. Ton linge. Merci, Philomène. J'ai plus qu'à le ranger. Pourquoi vous n'invitez plus jamais personne à la maison? C'était agréable. Si on te le demande, tu répondras que c'est parce que notre fils nous casse les couilles. Qui t'a permis de quitter la table? Je quitte pas la table, papa. Tu as fini? Oui, merci. En tout cas? Ouais. Je peux sortir ce soir, papa? Non. Si, d'ailleurs, si. Merci, papa. Il avait un problème ce môme. Depuis le début, je voyais, personne ne voulait m'écouter. Attends, il y a 28 ans, on a quasiment le même âge. Vous voulez me faire croire que tout était énorme. Oh putain. Oh les enfoirés. Mais ici, petit con ! Merde ! Tu vas voir ta gueule, toi ! Et toi, tu fais rien pour attendre ! Sophie, non mais vous avez vu dans quel état, quoi ? Qu'est-ce qui te prend ? Tu es taré, toi ? Mais ils me remercieront un jour de ne pas les avoir laissés finir comme Tanguy. Mais ici, saloperie ! Merde ! Vous faites chier, bordel! Sophie! Bonjour, moi. Bonjour, mon chéri. Bonjour, pas. Ah, tiens, voilà pour le téléphone. Bon, moi, j'y vais. Bonne journée. Je t'aime, maman. Je t'ai déjà dit d'arrêter avec ça. Excuse-moi, l'habitude. Perla. T'as raison, c'est vraiment plus de mon âge. Bonne journée. Merde. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Je commencerai par me poser la question. Peut-on concevoir le bonheur comme une positivité pure ou comme une simple absence de malheur et de moments négatifs? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que veut dire ne pas avoir d'histoire? Tu fais déjà le plan, et pendant ce temps, je prépare les corrections du français. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné comme ça, tous les trois. Faudrait pas que ton père l'apprenne. Bonsoir, Edith. Tanguy, bonsoir. Comment ça va? Bien, bien, merci. Paul n'est pas avec nous ce soir? Non. Il est en congrès, à Dubaï. Bah, faites-lui mes amitiés, hein. Bonne soirée. Bonsoir. Vous aussi. Oh, maman, détends-toi. Mais oui, dis, ça va, t'as pas 2 ans quand même. Puis, il a pas dit que j'avais pas le droit de t'inviter au restaurant? Oh, bah, c'est qu'il a dû oublier. Pas très bien, mais il joue. Mais il pourrait pas m'avoir une carte de club? J'aimerais bien essayer d'apprendre. Tous mes copains sont en train de jouer au golf et j'aimerais bien avoir une carte pour jouer. Excusez-moi. Oui. Nous cherchons la pyramide du Louvre. La pyramide du Louvre, bah oui, c'est sur notre chemin. Bah, on va vous accompagner. Ni men che chong guo ren ma. Ni hui shi hai yu a. Ni shuo de zhen hao. Wo xin shi ba, wo hui shuo yu. Ba ma, wo jiu gen ta zou ba.
Eh ben allons-y, c'est par là. Tanguy. Oui. Je crois que c'est plutôt par là. Ah oui, t'as raison, c'est par là. Pardon, c'est par ici. Très bonne équipe. De ton élève qui donne tout ça? Oui, il est riche. Et généreux. Tu vas à la piscine, toi? Ça dépend de la piscine. Mais indépendamment de ses largesses, toi, il paye combien? Moi, combien il me paye? Oui, toi, combien il te paye? 15 000 francs. J'ai pas compris. 15 000 francs. T'as payé 15 000 balles pour donner 10 heures de cours par mois? Quelquefois plus, quelquefois moins. Les heures de cours, j'entends. Ce qui veut dire qu'entre ta bourse, la fac et ton boutonneux, tu te fais quasiment 25 000 balles. Voilà. Et ne remets plus jamais les pieds ici! Surtout, surtout ne te retourne pas dans son pas! Dites-le! Bonjour, monsieur. Bonjour, Philomène. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de sang. Un coup de vent. Ah! Mais vous me faites mal! C'est trop contracté, le liquide ne peut pas se diffuser. Oh. Assigne cet enculé. Et t'as vu qui c'est son avocat? Bruno! Bruno? Bruno Lemoine? Bruno Lemoine! Qu'on a traité comme notre propre fils, qu'on a hébergé, qu'on a quasiment élevé, qu'on a emmené 100 fois vacances! Merde! Aïe! C'est malin, vous gigotez, j'ai cassé l'aiguille, moi. Tu peux appeler Jacqueline? Dis-lui que je veux un rendez-vous dans la journée avec Paninier! 28 ans, ce petit trou du cul ose nous attaquer alors qu'il gagne 25 000 balles par mois. Je veux que vous me le massacriez, qu'il se couvre de ridicule, qu'il soit la risée de tous les merdeux des générations présentes et futures, qu'il n'ose plus se regarder dans une glace jusqu'à la fin des temps. Vous entendez? On va s'y employer, Paul. On va s'y employer. Oh, calmez-vous. Non, non, se calmer, bien sûr, mais enfin, on prend. Et je vous raconte pas tout, hein. On reste calme. Bonjour maman. Bonjour Edith. Alors là de la merde, on vous parle pas. Enculé. Paul. Vraiment. Comprenez le désarroi, la déception, la tristesse de mes clients. Leur fils, leur propre fils, la chair de leur chair, pour qu'ils se sont saignés aux quatre veines. Comprenez la douleur, le chagrin, le désespoir de mon client. Ses parents qui l'aiment et qu'il chérit plus que tout au monde, qui le chassent. On a tout fait pour qu'il s'épanouisse au mieux. On s'est toujours montré attentif, tolérant, généreux, ouvert, vraiment. Rends service à Bertrand, il te le rend chiant. Ordure, fumier! Je ne comprends pas Lorraine à mon égard. Je n'ai jamais cherché à leur dissimuler quoi que ce soit. Je les aime, c'est tout. Je suis bien avec eux. Je ne reconnais que des qualités. À peine un péché véniel. Ils se droguent. Lui aussi! C'est exact. Ce sont eux qui m'ont initié à la marijuana. Évidemment! On préférait ça à un crétin de dealer! Oui. Article 203 du Code civil. Les époux contractent ensemble par le fait seul du mariage l'obligation de nourrir, entretenir... et élever leurs enfants.
Il gagne 25 000 balles par mois. L'argent de poche que se fait un étudiant en donnant des cours n'est pas considéré comme un revenu. Et tout est affaire de proportion. Vous gagneriez le SMIC. Votre objection serait à retenir. Mais compte tenu de votre feuille d'imposition, l'article 203 joue incontestablement en faveur de mon client. Vous allez perdre. Vous rigolez ? Avec l'article 203, vous êtes marron. Ça fait des jours que vous ne voulez rien entendre. Je vous l'ai déjà dit, depuis 92, il y a plus de 8000 affaires de ce genre qui ont été traitées en France. Je ne vous parle pas de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. Mais dans la plupart des cas, la justice a donné raison aux enfants. Non. Si. Vous êtes tenu de l'entretenir, pas de le loger. Ah, quand même. Qu'est-ce que c'est ? Rapport psychiatrique. Que Maître Lemoine vient de me communiquer. Aïe, aïe, aïe. Mais il faut faire une contre-expertise. Vous voyez pas que c'est infaisant. Ça va prendre des mois. En attendant, il faudra vous le garder. Je ne devrais pas vous dire, mais si vous en avez besoin, je connais des gens qui peuvent lui péter la gueule à votre tétard. Ça lui apprendra la vie. Merci, monsieur le juge. Mais je pense que... on se débrouillera sans. Désolé, hein. Toi, ta gueule. Un jour, tu m'as dit qu'il fallait jamais mélanger la fête et le travail. Je t'ai dit de fermer ta gueule. Pas par ici. Tu veux nous avoir ? Tu vas nous avoir. Enculé ! Toi ? Ne pas se réjouir d'un gain, ne pas s'attrister d'une perte ? T'es rien, une petite gêne. Un caillou dans une chaussure, un poil de cul coincé entre les dents. T'es basse, poil de cul ! Si fin soit-il, le cheveu aussi a une ombre. Et tu fais chier avec tes proverbes chinois ! Non. Qui est au-dessus de toute colère s'exprimera par la non- Putain ! D'enfant. On va sûrement une erreur. Je suis bien chez Getz ici. Bah oui. Un faux signe, mon bon. Oh, c'est dur. Allez-y, allez-y. Disney Channel et à 8h30 au lit. Faites-moi confiance. Et il va finir son petit assiette, hein? Mmh. Putain, là. Ressaisis-toi, Edith. On va se laisser abattre par cette salope ambulante. Sans prix pour nous. Vous me reconnaissez ? Je suis la maman de Tanguy. Ah oui ! Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Ce par quoi l'esprit perd cette condition, c'est inévitablement le chagrin et la joie, le plaisir et la colère, le désir et la recherche de profit. C'est... Excuse-moi de te déranger, mon poussin. Je t'ai apporté ton 4 heures.
Merci, maman. Je vous présente ma mère, Edith Goetz. Putain, elle est encore bonne, ta mère. Tu veux rester avec nous un moment? Non, t'es gentil, papa m'attend dans la voiture, mais nous te voir avec plaisir. Travaille bien, maman. Non, maman. Non. Ne rentre pas trop tard. Au revoir. Au revoir. Si l'on chasse chagrin et joie, plaisir et colère, désir et profit, l'esprit recouvre son équilibre. Alors, il a l'air con? Je crois, oui. Ah, j'en étais sûr. Il a dû avoir l'air bien con. Et tu es pas le seul. Ce qu'est le Tao, la bouche ne peut l'exprimer. Oui, maman. Elle a dit Tao ou Taro. Tao. Tao. Ce qu'est le Tao, les yeux ne peuvent le voir et les oreilles ne peuvent l'ouïr. Alors ça sert à rien. Il faudrait que tu reprennes les cours depuis le début. C'est quoi le petit chapeau sur le tableau? C'est un sinogramme qu'on retrouve dans différentes expressions comme sucre, fruit, douceur. Est-ce que quelqu'un pourrait communiquer ses cours à ma mère pour qu'elle puisse tenter de rattraper son retard? Vas-y. Moi, je peux. Enfin, si vous voulez. Ça, c'est très gentil. Edith! 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 Qu'est-ce que je peux faire? Edith! 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 Edith? Je peux même vous dire qu'elle est encore bonne. Tu vois, je te l'avais dit. Je sais pas ce qui m'a pris. Oh, je suis fatiguée. Si fatiguée. Excuse-moi. Oh, putain. C'est de moi que tu parles. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Tanguy, tu veux vraiment pas partir? Pourquoi tu me demandes ça? Mais... tu vois pas qu'on te déteste? L'orage ne dure pas toute la journée. Je vous aime. Vous êtes ce que j'ai connu de mieux au monde. À plus de 70 ans, là où il a été se costumer encore en acteur pour amuser ses vieux parents. On veut pas que tu nous amuses. On veut que tu dégages! Tanguy, j'ai couché avec un de tes élèves. C'est décevant, ça, non? Une chute dans le fossé et un gain pour la sagesse. Oh. Pardonne une fois, tu es généreux. Pardonne... Stop! Yabousse. Ah!
Oui, allô? Oui, tout à fait, oui. Oui, avec plaisir. T'es pas. Alors, c'est le 01. Allô? Partez? Comment ça partez? Partez, partez? J'arrive. Eh ben, allez dire à la police qu'on veut pas vous rendre les 20 000 balles. Ce que tu nous as filé? Pourquoi c'est la gueule à ton fils? Écoutez les gars, je suis pas d'humeur là. Allons, fond, rendez mon pognon et fis ça. Oh, j'ai peur. Alors? Ben, j'ai entendu ses pas dans le couloir, la porte s'ouvrir, se refermer, alors je me suis levée, puis voilà. Tout commencement a une fin, le souvenir de vos bienfaits restera gravé dans mon cœur. Votre fils, qui vous a tant aimé, Tanguy. Qui sera longue, 10, 11 mois, un an maximum. Bon, c'est pas la mer à boire. Vous connaissez l'article 205 du Code civil? C'est le même que le 203. Mais pour les vieux. Signe graphique. Avec cet indice, ça c'est pour vous, nous ne voyons pas l'indice ici, bien sûr. Les juniors, allons-y, Lise, lance le jeu. Je laisse la main. Tape signe graphique, emprunté vers 1530 aux Espagnols par l'imprimeur Geoffroy Tori. Je me réponds très lentement en français dans l'écriture manuscrite. Tiens, attends, oui, l'accent. On va bientôt passer à la table. Phonétique comme un E. Oui. L'apostrophe. Non. Je ne comprends décidément pas ce qui retenait le Pékinois ici. Là, sans vouloir être blessante, on crève d'ennui chez vous. Oui, la fenille. Oui, bien joué. Bonjour madame. Bonjour Philomène. Cette passion qu'il a toujours eue pour la Chine. Le pays de l'enfant unique. Excusez-moi de vous interrompre en pleine roucoulade. Peux-tu me porter aux toilettes? J'ai attendu un maximum, mais là, je vais faire sous moi. Maman!
de Chinois ici. Tu vois que t'as encore toute ta tête. C'est bon, on est arrivé. De la teneur. Et nous ? Edith, ma mère. Lira. Paul, mon père. Lira. Et Odile, ma grand-mère. Lira. Royer, royer. Meiline, ma femme. Bonjour. Deng, mon beau-père. Tsu, son épouse. Peng et Nao, les parents de Deng. Enchanté. Enchanté. Tamanchuo, Hankao Sing, Jin Chuniman. Ah, si, si, si. Je peux vous embrasser? Oui. J'ai toujours su que je serais grand-mère d'un petit aux yeux bridés. Très heureux de voir les gens de l'Église de l'Église. Nous sommes tous très heureux. Il dit qu'il est très honoré de recevoir la famille de Tanguy, dont la présence dans cette modeste demeure est un délice de chaque jour. C'est vrai, de chaque jour. Vous vivez tous ici? Bien sûr. Ah, ça fait plaisir de voir des gens qui assument leur famille. Pas comme d'autres. Méline est fatiguée, elle va s'asseoir deux secondes. C'est prévu pour quand exactement? Normalement pour le 10, mais on ne sait pas ce qui se passe, il est toujours pas là. Le médecin a dit de ne pas s'inquiéter. Il veut pas sortir, c'est qu'il est bien là où il est. En tout cas, t'es tranquille. Tu peux être sûr qu'il est de toi, celui-là.